Bonsoir, donc euh, quelques mots de présentation tout d'abord sur le, le Centre d'histoire du travail, dont je suis l'un des trois salariés. Hein. Le Centre d'histoire du travail, le CHT, fête euh, cette année ses 40 ans, 40 années passées à sauvegarder les archives produites par le mouvement ouvrier et le mouvement paysan local, 40 années passées à accueillir des chercheurs, à proposer des conférences, des colloques, des cours, des ateliers pédagogiques, des expositions, sans oublier bien sûr. Une, la tenue d'une très forte bibliothèque accessible dorénavant à tous sans condition de paiement. Voilà. Euh, 25 000 bouquins à peu près. Hein, on ne les a pas comptés euh, complètement, mais bon, il y en a au moins 25 000. Et bien sûr, des ouvrages, puisque nous sommes également une, une maison d'édition. Le CHT donc remercie Tissémétis de l'avoir associé à cette conférence débat qui verra intervenir Séverine Misset et Tristan Poulawek, sociologues tous deux et qui comptent parmi les auteurs du livre qui nous occupe ce soir. La France d'en bas, donc idée reçue sur les classes populaires, livre qui est bien sûr en vente hein, euh, au rez-de-chaussée, il me semble-t-il, et pendant une heure, en mezzanine, en mezzanine. pardon, je, je, je perds la notion de l'ivresse de l'altitude certainement. Euh, également présent avec nous, Nicolas Wary, secrétaire départemental de la CFDT de Loire-Atlantique, qui nous apportera à la fois son regard de, de syndicaliste, mais également de travailleur de l'enseignement. Alors, on a un rendez-vous qui est très court, hein, c'est une heure, euh, donc on va essayer de. de, 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 de je vais questionner mais les trois invités, et ensuite on essaiera d'avoir un dialogue avec la salle, bien évidemment. Alors, je vais commencer par une question. Il y a quelques décennies, il existait sur la place de Nantes un laboratoire de sociologie que j'ai connu, qui s'appelait le LERSCO, qui signifiait Laboratoire d'études et de recherche sur la classe ouvrière. Alors c'était le temps bien sûr où les ouvriers n'étaient pas des opérateurs, où les plans de licenciement n'étaient pas des plans de sauvegarde de l'emploi, où les cotisations sociales n'étaient pas des charges et la grève une arme désuète. Alors ma première question prendra la forme d'une très amicale provocation. Parler des classes populaires aujourd'hui, au lieu de la classe ouvrière qui en formait hier, voire encore aujourd'hui, hein, la part la plus, la la plus conséquente pardon, ne participe-t-il pas de cette invisibilisation de la classe qui devait, si j'ai bien lu Marx, changer le monde Et cette première question, en fait, on appelle une seconde. Qui fait partie des classes populaires aujourd'hui? Est-ce une question de, de statut? Faut-il être salarié pour en faire partie? Est-ce que l'artisan, le petit paysan, l'auto-entrepreneur ubérisé, euh, est-ce qu'il y a sa place dans ces classes populaires? Est-ce une question de revenu? Euh, L'exclu, par exemple, en fait-il partie? L'ouvrier très qualifié de l'aéronautique, par exemple, qui émerge à plus de 2000 euros par mois, fait-il partie encore des classes populaires? Et la question du capital culturel entre t en ligne de compte le travailleur intellectuel précaire, et vous en connaissez beaucoup, hein, à l'université, mais doté, euh, doté de son bac plus 6, mais qui gagne des miettes Est-ce est, euh, euh, Il fait partie des classes populaires comme le travailleur manuel titulaire d'un CAP qui touche le SMIG Voilà, c'était une question un peu que je me pose sur cette question des, des classes populaires. Bref, les classes populaires forment-elles un objet sociologique bien identifié Et vous avez 10 minutes. Bien, merci. Bonjour à tous. Bonsoir. Euh, merci Christophe pour euh, ces questions euh, provocatrices, mais, mais qui sont des bonnes questions, je trouve. Euh, D'abord, je voulais te remercier d'avoir cité le laboratoire d'études et de recherche sur la classe ouvrière, qui a été créé à Nantes en 1972 par Michel Verret, qui a euh, fondé le département de sociologie à l'Université de Nantes, et puis euh, également avec Jean-Claude Passeron ce, ce laboratoire. Euh, il est décédé en 2017, Michel Verret, et le Centre Nantais de Sociologie a eu l'occasion de lui rendre hommage. Il est toujours présent en fait euh, dans, dans nos esprits, dans nos lectures, et il y a quand même une continuité entre euh, ces années-là où effectivement le regard était centré sur la classe ouvrière et aujourd'hui où on s'intéresse aux classes populaires. Donc je vais essayer un peu de, de dire pourquoi, comment, même si évidemment il y a des choses qui ont qui ont changé. Euh, alors euh, la classe ouvrière, ça a été un, un objet de recherche, pas seulement à Nantes, mais pour la sociologie française, euh, pendant de nombreuses années, hein, des années 60 aux années 80, 90 encore, il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux sur euh, le monde ouvrier. Euh, à Nantes, par exemple, euh, ou pas très loin, euh, on a les travaux de Christophe Lamoureuse, de Joël Degnaud, euh, Jean-Noël Rotière, alors lui c'est lanester qui l'a intéressé, mais voilà. Et puis, au plan national, il y, y a plein, plein de travaux hein, sur euh, les ouvriers de Renault, etc., les, les grandes masses ouvrières euh, qui ont connu, bah, comme vous le savez, euh, un déclin numérique. Hein, euh, le, le nombre maximum d'ouvriers qu'on a dans la population active en France, c'est euh, euh, au milieu des années 70. Et puis après, ça, ça décline progressivement. Ils sont toujours là, les ouvriers. Il y a encore euh, beaucoup d'ouvriers, hein, 5 millions euh, d'actifs, un peu plus même euh, aujourd'hui. Euh, mais euh, s'il fallait parler de la classe ouvrière, moi je pense qu'il ne faut pas uniquement regarder la France. Quoi. Il faudrait aller peut-être en Chine, où là vous aurez des grandes masses, de, des grandes usines avec des grands collectifs euh, d'ouvriers qui subissent à la fois une exploitation euh, capitaliste et euh, la dictature d'un parti unique, enfin l'absence de démocratie, vous connaissez tout ça. Bon, euh, s'agissant de, de la France, euh, les sociologues euh, se sont rendus compte qu'il euh, bah, fallait un peu changer de lunettes, que les transformations de la société, du monde du travail, euh, obligeaient à, à regarder aussi à côté euh, du monde ouvrier un univers qui est très proche, ce hein, qui est celui des employés. Donc les ouvriers, vous avez peut-être une petite idée, même si on pourra revenir dans le détail sur ce que ça désigne aujourd'hui. Euh, le monde des employés, c'est tous les, les salariés euh, du bas de l'échelle qui ont euh, euh, des responsabilités, mais peu de marge de manœuvre, peu d'initiatives dans, euh, dans le travail qui sont pas assez rémunérés, qui ont peu de perspectives d'évolution. Et très souvent ce sont des femmes. Euh, c'est aussi euh, un acquis en fait de ce, ce passage de l'étude de, de la classe ouvrière à l'étude des classes populaires on a une sociologie qui s'intéresse beaucoup plus aux femmes dans les classes populaires, aux rapports sociaux, non seulement au travail, mais dans la sphère privée. Et donc, il n'y a pas que la question de l'exploitation qui est au cœur de nos réflexions, mais aussi des, des rapports d'égalité ou de ou d'inégalités, de, de, de conflits ou de coopération entre hommes et femmes euh, au travail et euh, dans la vie conjugale. Voilà. Donc, une sociologie des classes populaires, c'est s'intéresser aussi à cet énorme groupe professionnel des employés. Ils sont euh, plus de 8 millions aujourd'hui. Euh, c'est euh, assez hétérogène. On pourra revenir sur la diversité du monde ouvrier, mais euh, pour parler rapidement des, des employés, vous avez... Parmi eux, à la fois euh, des employés de la fonction publique, c'est les plus nombreux aujourd'hui, euh, donc des fonctionnaires de catégorie C, ou s'ils ne sont pas fonctionnaires, des contractuels, mais qui, ont, qui, qui exercent des métiers un peu comparables, euh, voilà, des aides-soignants, par exemple, dans la fonction publique hospitalière, euh, des ouvriers d'entretien dans, dans les écoles, euh, des jardiniers dans la fonction publique territoriale. Bon. Euh, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'employés de bureaux. Euh, D'employés, de travail administratif euh, euh, voilà, classique, euh, même si voilà, ça, ça a aussi beaucoup changé. Hein, les, les secrétaires, elles sont plus juste téno maintenant elles ont beaucoup plus de, de, de tâches complexes à, à exercer. Donc c'est un univers qui est euh, assez euh, diversifié. Ce qu'elles ont en commun, à notre sens, ces classes populaires, c'est quand même d'être en position d'inégalité, de, de subir un certain nombre de, de rapports de domination euh, au travail, mais pas seulement au travail, euh, qui se cumulent. Alors, il n'y a pas que euh, des handicaps ou des, des limites qui, euh, qui pèsent sur les personnes, il y, y a aussi des, des marges de liberté et, et des choses qui leur permettent de résister, mais quand même, c'est euh, pour ces personnes, des classes populaires, que la vie aujourd est aujourd'hui la plus euh, difficile. Euh, ce qui les caractérise aujourd'hui, ces classes populaires, c'est d'être à la fois euh, peu rémunérés, euh, d'avoir peu de responsabilités dans le travail, euh, et pourtant d'aspirer à être euh, comme tout le monde, à vivre une vie ordinaire, euh, à, à pouvoir bénéficier de ce qu'une société comme la société française pourrait offrir à, à sa population. Bon, alors, je ne suis pas encore trop rentré dans le détail des définitions, mais... Vous voyez que finalement, parler des classes populaires, c'est parler d'un grand nombre de personnes. C'est la moitié de la population active en France. Et si je rajoute les retraités, les enfants de ces familles-là, bah, ça, ça fait beaucoup de monde. Euh, donc, c'est des gens ordinaires, en fait, euh, qui ne se reconnaissent pas forcément dans la catégorie de classe ouvrière et qui ne se diraient pas forcément aussi euh, comme appartenant aux classes populaires. Ils se verraient plutôt dans les classes moyennes. Mais en fait, il euh, bah, y a quand même pas mal d'écarts entre leur vie et celle de ceux qui sont favorisés par le diplôme, qui sont favorisés par le salaire, qui sont favorisés aussi par le patrimoine, etc. etc. Alors, pour répondre juste un peu plus dans le détail aux questions que tu poses sur comment on classe ces gens-là, en sociologie quantitative en France, on s'appuie beaucoup sur le travail de l'INSEE. On a la chance d'avoir une statistique publique qui propose des classifications. Euh, auxquels les sociologues ont participé, ont contribué et qui, qui nous vont bien. C'est pas euh, exactement comme ça que nous on voit le, le monde social, mais quand même. Donc là, vous avez la répartition des salaires euh, par catégorie socioprofessionnelle. Et euh, pour simplifier, là, dans un rectangle, vous avez la moitié de la catégorie. Donc si je prends par exemple les cadres, bah, vous avez la moitié des cadres en 2018 qui ont des salaires entre 2003 euros et 4000 euros. Il reste un quart qui a un salaire supérieur à 4000 et un quart qui a un salaire inférieur. Donc pour chaque catégorie professionnelle, c'est un peu le noyau dur des salaires. Bon, vous voyez, j'ai mis plus de détails pour les ouvriers et les employés que pour les autres métiers. Mais vous voyez quand même qu'il y a un point commun c'est que ce sont des salariés du bas de l'échelle en termes de salaire. Globalement, ce pas des gens qui gagnent très bien leur vie, qui sont bien rémunérés. Euh, voilà, pour l'ensemble des employés, on a euh, un salaire net hein, mensuel entre 1000 et 1 600, 1 euros pour 50 des employés. Et pour les ouvriers, vous avez un, un salaire net qui est un peu plus élevé, euh, entre 1 et 1800, 800, 900 peut-être euh, euros. Bon. Après, vous voyez aussi les, le détail des catégories à l'intérieur de certains de ces groupes. Donc vous voyez que parmi les employés, l'INSEE comptabilise les policiers et les militaires. Sous-officiers. S'ils sont officiers, ils passent cadre. Euh, vous voyez qu'on a aussi donc, les employés de bureau j'en ai déjà parlé les employés de commerce les personnels des services directs aux particuliers. Là, il faut peut-être un peu expliquer parce que c'est du vocabulaire de la statistique publique. C'est tous les, les emplois de service à la personne. Donc c'est aussi bien les, les, les coiffeurs, les coiffeuses euh, que les, les auxiliaires de vie, les aides à domicile, les assistantes maternelles. Voilà. Beaucoup d'emplois euh, euh, féminins en, en, en pleine croissance, hein, parce que vous savez que les politiques publiques en France ont fait le choix euh, de, de faire des, des, des emplois plutôt privés pour ces services-là et non pas euh, euh, de créer des, des crèches et des... Et des, des, des organismes qui prendraient en charge de façon euh, publique tous ces, ces services. Euh, voilà. Parmi les ouvriers, je voulais aussi dire que euh, bah, aujourd'hui, les ouvriers les plus nombreux, c'est les ouvriers de type artisanal. C'est plus les ouvriers de l'industrie qui sont les plus nombreux en France. Et un ouvrier de type artisanal, c'est à la fois euh, bah, votre chauffagiste qui vient euh, vérifier la, la chaudière, euh, c'est euh, tous les ouvriers du bâtiment en général, de l'entretien des bâtiments. Mais il y aura aussi, par exemple, un cuisinier qui ne pensera pas qu'on le classe parmi les ouvriers. Et pourtant, pour l'INSEE, c'est un travail salarié, euh, manuel, euh, qui est subordonné. Alors, je ne parle pas du restaurateur, hein, du patron qui euh, décide ce qu'on va manger ce soir, mais euh, du cuisinier qui doit euh, euh, appliquer euh, le travail décidé euh, par le chef. Donc voilà, c'est des, des gens qui ont des revenus plutôt faibles. Bien sûr, il y a des exceptions. On a, par exemple, en Loire-Atlantique, des ouvriers dans l'aéronautique qui peuvent, en fonction de leur qualification, avoir des salaires très élevés. Et c'est des emplois qui sont recherchés. Mais c'est l'exception et pas la règle. De même, pour les diplômes, alors je, je passe à, au graphique suivant. Voilà la répartition des diplômes en trois catégories, pour simplifier. Donc, en noir, c'est les bacheliers ou bac. Plus 1, 2, 3, enfin tous les diplômés de l'enseignement supérieur. En gris, euh, gris moyen, c'est les titulaires d'un CAP ou BEP, comme plus haut diplôme. Et puis en, en gris clair, c'est les gens qui ont comme plus haut diplôme un BEPC, brevet des collèges, ou qui n'ont pas de diplôme. Et donc vous voyez que parmi les ouvriers, les employés, euh, bah, c'est là qu'on a le moins de diplômes. C'est des gens qui, sont, qui ont été privés d'école, d'une certaine manière, qui n'ont pas pu prolonger leur, leurs études, on y reviendra tout à l'heure. Euh, mais vous voyez aussi qu'il y a une grande diversité. Et que dans plein de métiers, on va retrouver, euh, bah dans, quasiment sur les mêmes postes ou dans le même atelier, euh, des gens qui ont des profils scolaires différents. Euh, je pense à, au travail de Séverine, par exemple, sur les, les ouvriers qualifiés. Euh, bah vous avez à la fois des gens qui ont un bac-pro. D'autres qui ont un bac général et puis qui n'ont pas réussi leurs études supérieures, et puis des gens qui ont un CAP, BEP. Mais le fait de ne pas avoir le même profil scolaire, ça crée aussi des, des différences dans leur façon d'exercer le travail, dans leur façon de collaborer. Et voilà, il ne faut pas présenter le monde des classes populaires comme étant homogène, unifié. Il y a bien des points communs, mais c'est aussi important de comprendre pour savoir ce qu'est la société française aujourd'hui. Toutes les, les disparités qu'il peut y avoir à, à l'intérieur de ce vaste euh, ensemble. Quoi. Euh, voilà. Donc, le travailleur intellectuel avec un bac plus 6 euh, euh, et qui est euh, vacataire, par exemple, à l'université, ben moi, je ne le mettrai pas dans les classes populaires euh, parce que euh, son travail n'est pas un travail d'exécution salarié. Euh, il a quand même une marge d'autonomie, même si euh, euh, voilà, il décide pas forcément des cours qu'il va donner. Mais euh, en revanche, ça, ça, ça montre aussi que dans d'autres groupes sociaux, il y a de la précarité. Euh, Aujourd'hui, on a euh, une précarisation qui, qui gagne toute la société. Hein, ça c'est encore plus fort parmi les ouvriers, et les employés. Mais euh, voilà, on a euh, des, des cadres au chômage. Euh, euh, on a des difficultés dans toute la société c'est vraiment une dynamique qui, qui traverse tout l'espace social euh, Séverine tu veux rajouter quelque chose ou on passe à la question suivante je ne sais pas Très si j'étais trop long ou trop rapide, des fois je parle un peu vite <laughs> dans votre ouvrage dont je conseille évidemment la lecture j'ai conseillé à Manuel Valls, mais a priori, il n'a pas trouvé l'adresse de la librairie. Mais c'est vraiment très bien écrit, c'est très, très abordable. C'est très loin du jargon qu'on peut retrouver, malheureusement, dans certains travaux universitaires et de sociologues. Allez, dans votre ouvrage, vous vous en prenez à quelques lieux communs, censés caractériser le rapport de ces Français d'en bas. À la démocratie représentative, au syndicalisme, à la consommation, à l'éducation, au sport, aux loisirs, ou bien encore aux relations hommes-femmes. Alors, évidemment, avec le temps qui nous est imparti, on peut, ne on peut, on, on peut pas traiter tous ces sujets. Et moi, je vous propose qu'on se concentre sur deux axes le rapport à la politique, à l'intervention citoyenne d'un côté, et puis le rapport à l'éducation. Alors, il y a quelques années, souvenez-vous, il y avait un think tank social-libéral qui avait rendu un rapport dans lequel il préconisait au Parti socialiste d'abandonner à leur triste sort les classes populaires parce qu'elles étaient abstentionnistes ou, ou portées à voter pour les candidats populistes ou d'extrême droite, pour privilégier donc les classes moyennes, à l'aise dans la mondialisation, libérales de cœur et d'esprit, etc. En, en somme, faire ce qui permit à Tony Blair de l'emporter donc de l'autre côté de la Manche. Alors la question, c'est les classes populaires sont-elles aussi réactionnaires ou conservatrices que certains le disent, et donc désormais peu réceptives aux discours émancipateurs portés jadis par les forces dites de gauche Et puis, Nicolas, j'aimerais bien ensuite que tu prennes la parole et que tu nous dises un peu comment la CFDT a vécu le mouvement des gilets jaunes, qui a marqué le retour sur le devant de la scène des dites classes populaires dans toute leur hétérogénéité, et comment vous avez vécu ce mouvement, comment vous l'avez compris à la fois au début et puis avec, avec un peu le recul. Voilà. — Alors bonjour, bonjour à tous. Hein, pas... Bonsoir même. Euh, je reformule la question. Hein, c'est un peu euh, « les, les classes populaires sont-elles perdues pour la gauche ?». Je crois que c'est comme ça que c'est formulé dans, dans une revue que, que Tristan a amenée et qui s'intéresse justement à, à, au rapport à la politique des, des classes populaires. Euh, chaque séquence électorale nous montre qu'il euh, est scruté assez attentivement, hein, ce rapport à la politique. Et la séquence dans laquelle on est entré, euh, évidemment, déroge pas à la règle. Hein, euh, pour prendre juste quelques exemples, il y a des maires de différentes sensibilités politiques qui ont appelé un sursaut populaire. Il y a un mouvement citoyen qui plaide pour la mise en place d'une primaire populaire. Et puis, encore plus en lien avec ce que, tu, ce que tu as évoqué, Eric Zemmour, pour ne citer que lui, qui se prétend le seul à rassembler les classes populaires et la bourgeoisie patriote. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose d'un enjeu très très fort. Qui se tournent autour du comportement électoral des, des classes populaires. Et en fait, avant même de se demander, enfin de s'interroger sur le comportement électoral des classes populaires au sens de pour qui elles votent, il faut avoir en tête quand même euh, trois trois éléments importants euh, qui sont euh, qui apparaissent en fait euh, dans, dans ce tableau. Alors, on retrouve hein, nos, nos catégories telles que telles que l'INSEE les construit que Tristan vous les, vous les a présentées, donc vous devez commencer à les, à les cerner un peu plus. Hein. Cette façon qu'on a, pour se simplifier un peu les choses, d'appréhender les classes populaires par la statistique en regardant les ouvriers et, euh, et les employés. Et donc le, le tableau, il récapitule euh, trois aspects, trois euh, caractéristiques en fait, de ces classes populaires. C'est euh, ceux qui ont une nationalité étrangère, et en fait on s'aperçoit de quoi, ben c'est bien dans les classes populaires que la proportion d'étrangers est la plus élevée, même très élevée dans certaines composantes de ces classes populaires. Hein. Vous voyez euh, jusqu'à le chiffre le plus élevé, c'est les ouvriers qualifiés de type artisanal. Euh, et donc évidemment, ces gens-là, ils n'ont pas la nationalité française, ils ne votent pas déjà. Donc il faut avoir en tête qu'une grosse partie des classes populaires, une partie quand même non négligeable des classes populaires qui vivent en France n'ont pas le droit de vote. Donc là aussi, il faut avoir ça en tête avant de commencer à commenter les résultats des, des votes. La deuxième colonne, c'est sur les non-inscrits, donc des gens qui auraient la possibilité de voter s'ils étaient inscrits sur les listes électorales, mais qui ne le sont pas. Euh, sans rentrer dans les raisons de la non-inscription, on sait que cette non-inscription, elle est plus élevée dans les classes populaires que dans les autres groupes sociaux. Donc là aussi, ce sont des gens qui n'ont pas accès euh, au vote. Et puis, euh, le troisième point qui est un peu plus connu, qui est un peu plus commenté, euh, c'est aussi dans les classes populaires qu'on s'abstient le plus, euh, avec des proportions euh, qui peuvent être euh, très élevées dans certaines, dans certaines catégories. Par exemple, hein, vous voyez dans les ouvriers non qualifiés de l'industrie ou, euh, ou de l'artisanat, la 12 à 15, presque 15 d'abstention. Et donc dans la dernière colonne, on a un peu le cumul, en quelque sorte, de ces trois écarts en fait, qui peuvent se manifester et qui fait qu'il y a des fractions non négligeables, très importantes parfois, jusqu'à un tiers, en fait, qui ne s'expriment pas par le vote pour l'une ou l'autre de ces raisons. Euh, bon, ça, c'est quand même un, des, des résultats euh, très solidement établis et très importants à avoir en tête euh, avant, de, avant de commenter tout ça. Et euh, bon, encore une fois, on n'a pas vraiment le temps de revenir dans le détail, mais... Euh, L'abstention ou la non-inscription, évidemment, ne signifie pas désintérêt pour la chose politique. Ça aussi, c'est des choses que les différentes enquêtes sociologiques ont pu, euh, ont pu bien montrer. Et d'ailleurs, que le mouvement des Gilets jaunes a aussi, euh, a aussi mis, mis en lumière. Il euh, y a tout un tas de raisons euh, qui font qu'il euh, qu peut y avoir euh, une mise à l'écart euh, de la sphère politique au sens voilà, de, du, du vote, euh, mais qui n'est pas forcément un désintérêt pour, euh, pour la chose politique. Euh, donc une fois qu'on a ça en tête, en fait, sur le fait que les résultats des élections ne mesurent l'expression qu'une partie seulement des classes populaires, mais qu'il y en a une grande partie en fait qui ne s'exprime pas comme ça, euh, là on peut aller regarder euh, ce qui se passe et, euh, et euh, la manière dont les choses ont, ont évolué dans le temps. Euh, et il y a effectivement euh, une évolution, hein, les votes populaires. Euh, et, la thèse, ce que tu as formulé, hein, c'est un peu la thèse qu'on appelle parfois la thèse du gaucho-leupénisme ou euh, de le leupénisme qui serait en gros, pour le dire très vite, euh, la classe ouvrière acquise au Parti communiste euh, aurait basculé euh, à, à l'extrême droite. Alors elle a, elle a un gros défaut, cette thèse, elle en a plusieurs, mais elle a un gros défaut, c'est qu'elle est extrêmement simpliste. D'abord parce qu'en fait... Toutes les, toutes les membres des classes populaires ou de la classe ouvrière euh, ne votaient pas euh, pour le Parti communiste. Hein, même si on parlait souvent d'un vote de classe, euh, il y avait quand même une partie importante euh, qui ne votait pas pour, euh, pour le Parti communiste. On, on parlait tout à l'heure de, de Michel Véret qui rappelait bien qu'il y a toujours eu une fraction euh, qui votait à droite, une fraction conservatrice, y compris dans, dans, la, dans la classe ouvrière, qu'on estime. Entre un quart et un tiers des, un quart des ouvriers et un tiers des employés euh, qui votaient à droite euh, jusqu'à la fin des, des années 70. Donc il euh, y a un excès, en fait, en quelque sorte, à imaginer qu'ils euh, votaient tous pour le Parti communiste ou ils votaient tous pour les partis de gauche. C'était un, un vote important, mais, euh, mais pas forcément euh, unique. Euh, et puis euh, bah, l'autre... Pendant, en quelque sorte, de cette thèse, il est aussi euh, euh, un peu simpliste, c'est qu'ils ben, n'ont pas tous euh, basculé euh, à, à l'extrême droite. Donc certes, euh, les votes pour le, pour le Front National ou le Rassemblement national ont augmenté au fil de la période, mais... Euh, notamment à cause de ce qu'on vient de dire hein, sur le fait que la proportion d'étrangers est plus élevée, la proportion de non-inscrits, la proportion d'abstentionnistes est plus élevée dans les classes populaires. En fait, le poids de ce vote à l'extrême droite, il apparaît très différent si on regarde en gros les sondages sortis des urnes, par exemple, ou euh, si on rapporte le nombre de voix à l'ensemble des classes populaires. Là, du coup, ce, ce le poids du vote à l'extrême droite, il paraît beaucoup moins fort. Et, et ce qui paraît plus important, c'est le fait que les classes populaires se retirent en fait de, cette, de, ce, de ce jeu électoral pour une, pour une partie d'entre elles. Donc voilà, ça n'empêche pas que le vote pour l'extrême droite a effectivement augmenté. Euh, au fil du temps et qu'on peut aussi aller euh, enquêter sociologiquement pour, euh, pour l'expliquer, hein, ce, ce phénomène. Et en général, euh, ça montre qu'il y a des tas de phénomènes variés qui peuvent intervenir, qui sont parfois, euh, parfois euh, très localisés, des logiques aussi qui sont parfois euh, un peu paradoxales, un peu, un peu contradictoires. Il euh, y, y a des éléments qui ressortent assez régulièrement dans les enquêtes qui sont menées sur, sur ces questions-là. Euh, D'abord de la défiance assez forte vis-à-vis -vis de, de, des hommes politiques, de la politique, euh, de la déception aussi, euh, notamment envers les, les partis de gauche hein, qui ne qui ne s'adressent plus en fait euh, aux classes populaires et qui ne leur proposent plus euh, des perspectives euh, séduisantes, on pourrait dire. Il euh, y a aussi euh, le besoin de, de sécurité, en fait, euh, dans un environnement économique euh, assez menaçant, assez de, déstabilisant. Euh, et donc, il y a des thématiques qui sont portées par ces partis-là, qui peuvent avoir un certain écho parmi les membres des, des classes populaires. Donc, le protectionnisme économique, mais aussi euh, parfois les valeurs euh, familiales conservatrices. Euh, ça peut aussi avoir un écho chez certains. La stigmatisation des, des assistés. Euh, voilà, ça peut être euh, des, des thématiques euh, qui parlent à certains. Et euh, pour résumer un peu, euh, un peu rapidement les choses, euh, euh, la proximité, euh, parfois le militantisme ou le vote pour l'extrême droite, ça peut signaler chez certains membres des classes populaires euh, finalement un souci de respectabilité. Hein, euh, de... Un, un sociologue Raphaël Chélé dit euh, par exemple que s'engager euh, au, au Front National pour ne plus être des cassos. C'est un peu comme ça qu'il l'a vu sur, sur ces terrains dans l'est de la France. Donc voilà un souci de respectabilité qu'ils essayent d'acquérir en, en militant ou plus généralement en se reconnaissant dans les thématiques portées par, par l'extrême droite. Et c'est vrai qu'il faut souligner que cette respectabilité, les classes populaires sont plus que n'importe quel groupe social en France. Euh, elles ont à faire face au risque de se la voir dénier, hein, justement, de, de, se, de voir cette respectabilité, respectabilité euh, être remise en cause. Nicolas. Oui, bonsoir. <coughs> tu tu m'interrogeais notamment sur euh, la question du mouvement des, des gilets jaunes. Mais euh, voilà, la, la, déjà pour répondre aussi à la première question, la, la, la baisse de la participation aux élections, euh, le, le vote aux extrêmes, euh, comme euh, la, le taux de syndicalisation, sur lequel on, on reviendra, euh, sont des questions qui, euh, euh, de fait, euh, inquiètent euh, hein, le syndicaliste que je suis, le responsable CFDT. Et puis. Euh, euh, mais aussi euh, par, rapport, euh, par rapport à l'émergence des, des Gilets jaunes, on, on voit bien que, euh, que se dire pour un responsable politique euh, euh, qu'on va pouvoir euh, euh, prendre, de, prendre des décisions euh, euh, sans s'appuyer sur ce que sont les corps intermédiaires, dont le syndicalisme, euh, euh, a fait émerger finalement ce mouvement des Gilets jaunes. Et. Euh, et c'est euh, parce que finalement euh, euh, des, euh, des personnes sur notre territoire, des hommes et des femmes sur notre territoire euh, ont enfin, euh, on, on réagi directement finalement à, euh, à des, des propositions de nos politiques sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord et qui n'ont pas du tout été euh, 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 métabolisées euh, au travers des corps intermédiaires pour en faire... Euh, pour en faire une lutte, euh, j'allais dire con, construite avec des avec du revendicatif qui soit euh, qui soit porté et construit par par des collectifs et des organisations. Et on a vu un mouvement des gilets jaunes qui était euh, euh, qui euh, qui a eu du mal à, à justement à structurer son, euh, son j dire son corpus revendicatif avec lequel il est arrivé et qui n'a pas réussi à euh, euh, à, à, con, à construire son, une organisation qui lui permette de, euh, de, euh, de construire quelque chose de, euh, qui, qui de, de construire quelque chose de cohérent. Et euh, euh, ce qu'on voit aussi au travers des personnes qui, ont, qui, ont, qui étaient présents euh, autour des ronds points euh, voilà, euh, on voit des hommes et des femmes aujourd'hui qui euh, qui sont marqués par la précarisation de leur parcours, de leur parcours professionnel, de leur parcours individuel, et, euh, et qui euh, et, euh, et dont l'instabilité des situations euh, rend compliquée aussi euh, l'adhésion à des euh, à des organisations telles telles que les syndicats. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, euh, pour pouvoir euh, faire la pour pouvoir se dire je, je vais m'inscrire dans une organisation qui va m'aider à me défendre et à défendre les personnes qui, euh, qui subissent les mêmes conditions que moi, euh, il, faut, euh, il faut à un moment donné, euh, euh, ça rentre souvent dans un processus de stabilisation professionnelle et personnelle qui fait que à un moment donné, on, on, on fait le pas d'aller se syndiquer. Et aujourd'hui, on voit des parcours de précarisation qui durent, qui durent, qui durent, qui durent. Et quand on n'est pas stabilisé dans un emploi, quand on n'est pas stabilisé dans sa situation personnelle, on, on, on repousse le moment où on va s'engager dans, 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 dans quelque chose un peu de, de, de pérenne en termes en, en terme d'engagement militant. Et c'est toute la difficulté des organisations syndicales aujourd'hui de faire en sorte de, euh, euh, de construire du collectif avec ces personnes-là, avec ces parcours-là. Parce qu'on euh, voit bien qu'à travers l'émergence des Gilets jaunes, il y a un besoin de collectif. Ils ont eu besoin, à un moment donné, de, de se retrouver ensemble pour porter, euh, pour porter euh, le, le, leur colère et euh, leur mécontentement. Mais, euh, mais euh, il, il a eu ce défaut de, de, du manque de, de s'inscrire dans, dans des organisations qui sont pérennes, qui portent des revendications à, à long terme, qui portent des projets à long terme sur la société et sur les combats. Et c'est ça, c'est ça qui manque au gilet jaune. Et aujourd'hui, on a, on, on a, nous, organisation syndicale, à faire ce, euh, euh, ce travail qui n'est pas simple, de, de faire en sorte que les personnes qui subissent ces situations de précarité euh, arrivent à se dire euh, et à, à qui on arrive à, à, à proposer quelque chose pour dire, c'est pas parce que vous êtes dans une situation de précarisation que vous n'avez pas intérêt à. à, à à venir rejoindre euh, des, euh, des, des luttes militantes un peu organisées, justement pour pouvoir euh, agir sur votre précarisation, agir sur vos situations, pour pouvoir euh, construire les moyens d'en sort, sortir individuellement et collectivement. Et, euh, euh, et cette, euh, cette colère, notamment... Euh, euh, le, la CFDT a essayé aussi d'y réfléchir euh, en se disant comment aussi on peut, on voyait bien qu'il y avait du revendicatif qui était au-delà du revendicatif syndical au travers des Gilets jaunes, et c'est au, aussi au travers de quelque chose qu'a essayé de faire la CFDT autour du pacte du pouvoir de vivre, c'est-à-dire de, de rejoindre d'autres collectifs euh, associatifs ou, ou militants qui portent aussi des revendications. Qui, euh, ont pu, euh, euh, dont les thématiques ont pu émerger dans les Gilets jaunes, en termes de, euh, euh, en, en termes de, euh, de plus de territoire ou même d'écologie ou de démocratie directe, voilà, de, de travailler avec d'autres collectifs pour porter, euh, pour porter et construire des, des projets et aider à, euh, à avoir un, un poids, pas simplement les uns à côté des autres, mais ensemble euh, auprès, des, auprès de nos élus, auprès de nos pouvoirs publics pour pour pouvoir pour pouvoir peser collectivement sur ces choses là et notamment au moment des échéances électorales puisque c'est un outil pour 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 interpeller aussi les élus sur' quel, quel, sur les enjeux qu'ils ont à, à répondre à, aux difficultés de, de cette précarisation voilà. merci venons-en à la question de, de l'éducation alors si j'en crois certains les parents des classes populaires seraient largement démissionnaires, alors que les chiffres soulignent le lien étroit entre faible qualification et chômage. Ces parents, qui seraient dépassés, mais surtout laxistes, on en entend certains, se désintéresseraient de l'école, de ce qu'on y fait. Les recherches en sociologie, qui, rappelons-le, au cas où un ministre passerait la porte, ne cherchent pas à excuser, mais à expliquer les faits sociaux, corroborent-elles un tel lieu commun Et cette question, elle est aussi pour, pour Nicolas, qui, avant d'être secrétaire départemental de la CFDT, fut enseignant dans le primaire à Cuéron. Alors, bien qu'en voie de gentrification, la commune de Couéron demeure quand même une, une classe ouvrière, une, une ville ouvrière, une ville de petite classe moyenne. Et est-ce que l'école dans laquelle tu enseignais, l'école Marcel Gouzil, est-ce qu'elle est, est un bon poste d'observation pour analyser la façon dont les fameuses classes populaires abordent le monde scolaire voilà. Effectivement, l'école Marcel Gouzil à Couéron et les écoles de la ville de Couéron sont des écoles très mixtes socialement. Et donc on, on, et à travers euh, à la fois mon engagement syndical euh, dans le syndicat CFDT de l'Éducation nationale et mon engagement professionnel, je peux vous dire que tous les parents s'intéressent à, à la scolarité de leurs enfants. Tous, tous n'ont pas les mêmes, les mêmes n'utilisent euh, ne ne, pas les mêmes moyens pour, pour aider leurs enfants, mais tous s'intéressent à la scolarité de leurs enfants. Et c'est dit dans le livre sur lequel on s'est appuyé aujourd'hui. Euh, les, les classes populaires euh, misent beaucoup sur l'école pour que euh, leurs enfants puissent euh, con, se construire un avenir le, le, plus, euh, le plus stable et réussi possible. Euh, après, euh, euh, c'est d'autant, moi j'étais professeur des écoles, euh, c'est d'autant plus vrai euh, à l'école primaire où quand on demande euh, à rencontrer les parents, on voit tous les parents. Euh, les, euh, quelles que soient les situations sociales des parents, on les voit tous. On, on voit, par contre, que ça commence à être un peu plus, un peu plus compliqué au secondaire. Et, et, et ce qui fait la différence, c'est souvent le, le rapport à l'école de ses parents. C'est pas qu'ils s'intéressent pas à la scolarité de leurs enfants, mais certains peuvent avoir un rapport à l'école euh, plus compliqué que d'autres, et de pouvoir venir parler de l'école et de comment on peut aider son enfant avec les enseignants. Des fois, ça, ça peut être compliqué, mais c'est pas le signe d'un désintérêt du tout, du tout. Et, euh, et puis, euh, euh, et puis, on voit que euh, ce sont euh, les parents euh, qui euh, qui sont le plus en difficulté eux-mêmes avec l'école, souvent qui passent le plus de temps dans les devoirs, trop de temps même. On est obligé de leur dire, mais lâche, lâche, lâchez vos élèves, euh, enfin lâchez vos enfants, euh, euh, passez un temps raisonnable aux devoirs, mais ça sert à rien de rester des heures et des heures. Et c'est souvent aussi du fait de leur Propres, leur propre difficulté de rapport à l'école qui fait qu'ils investissent, ils surinvestissent le temps qu'ils passent avec leurs enfants sur ce sujet-là. Alors que les autres, les autres parents qui, qui, peuvent avoir, qui ont eu un rapport plus facile à l'école souvent savent qu'il faut, qu faut, qu faut leur, leur, leur laisser du temps pour, pour avoir. et ont les moyens pour leur donner accès à des outils plus culturels, sportifs, la musique. Que, que les familles des classes populaires ont moins de facilité à, à, à atteindre. Et c'est là que se fait la différence, en fait. Ce n'est pas, pas du tout par rapport à, à un désintérêt ou à un désinvestissement des parents par rapport à l'école. Et les enseignants passent beaucoup de temps à essayer de, de, de différencier, euh, de, de différencier euh, leur, euh, leur façon d'aborder les enseignements. Alors on ne différencie pas les objectifs, l'objectif est le même pour tout le monde. Et simplement on, on essaye de différencier les approches dans la classe pour que ceux qui ont des besoins particuliers puissent euh, avoir des réponses particulières euh, mais c'est voilà c'est un, un travail de, 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 longue, a de longue haleine et puis, euh, et puis dans une école comme Marcel Gouzil bah, la mixité, bah, et, dans des, et dans des villes où il y a une mixité sociale et ben bah, là c'est une chance parce que justement les enfants euh, des milieux les plus défavorisés les milieux des, ceux des milieux des classes populaires Peuvent euh, profiter aussi d'une sociabilité avec des enfants, euh, d'autres euh, classes sociales, d'autres, et, et, et c'est une, une chance pour l'ensemble, pour la sociabilité de l'ensemble de, de, de ces enfants, et ça pose la question de euh, euh, aussi de, la, de notre géographie sociale, de nos territoires, parce que ce qui est vrai euh, dans, dans une ville comme euh, Couéron. Comme euh, n'est pas vrai là où on a euh, des écoles au plein cœur de quartier, où là il n'y a plus du tout de mixité sociale et on se retrouve avec, euh, euh, avec des enseignants, des parents et des élèves un peu, euh, un peu plus démunis pour, euh, bah, pour pouvoir ac accéder à, à, cette, euh, à ce qui fait la richesse d'une classe et d'une école. Merci. Tristan, tu as deux minutes. Alors, Puisqu'on est dans le local, euh, dans une ville comme Nantes et les villes autour, il euh, y a un, un obstacle très très fort à la mixité sociale qui s'appelle l'enseignement privé quand même. Il ne faut pas l'oublier, parce que l'enseignement privé est libre de recruter ses élèves sur les critères qu'ils le souhaitent, etc. Bon. Je vais revenir donc sur la, la démission supposée des parents. Euh, C'est un cliché, mais qui est parfois euh, dans la tête de, des, des, des ministres. Donc, Luc Ferry, en 2016, il dit Lorsque l'éducation n'a pas précédé l'enseignement, quand les parents n'ont pas fait leur boulot, l'enseignement devient impossible. Donc, et, et chez plein, plein d'enseignants, il y a aussi cette idée que euh, les, la socialisation à la maison doit préparer euh, l'enfant à être un élève. Mais c'est n'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses dans les classes populaires. Au contraire, on a l'idée d'un partage des tâches. À nous, l'éducation. Savoir comment l'enfant doit s'habiller, euh, la politesse, etc. Aux enseignants, l'instruction. Parce que l'école est quand même lieu, le lieu dédié à la transmission des savoirs. Euh, pendant très longtemps, les ouvriers, les employés n'avaient pas des ambitions très élevées pour leurs enfants. Euh, parce que l'école, de toute façon, n'était euh, pas ouverte à tous. Elle n'était elle, elle pas. Euh, euh, facile, euh, on ne pouvait pas prétendre à accéder à un bac euh, quand on naissait dans les années euh, 50-60 par exemple. Bon. Euh, Aujourd'hui ce qui caractérise la situation c'est que la plupart des parents, euh, 90% d'entre eux euh, espèrent que leur enfant aille jusqu'au bac et au minimum euh, ensuite ils visent un diplôme de l'enseignement supérieur. Mais dans les faits vous avez encore que euh, les deux tiers des enfants des classes populaires qui obtiennent un bac. Et puis eux, bah, le bac qu'ils obtiennent, c'est moins souvent un bac général, c'est plus souvent un bac professionnel, un bac technologique, qui ont euh, leur intérêt, leur lettre de noblesse. Je ne dévalorise pas ces filières. Mais de fait, ce ne sont pas les bacs qui permettent le mieux de réussir dans l'enseignement supérieur. Donc les classes populaires subissent des inégalités à l'école. Euh, alors on pourrait faire tout un débat sur l'école, je ne vais pas y revenir, mais. Euh, C'est intéressant de comprendre leurs attentes à ces classes populaires. Euh, là, dans cette enquête, on avait demandé aux parents mais quel, quel, métier, non, pardon, quel diplôme ou quelle orientation vous envisagez pour votre enfant La question est posée un an après l'entrée en sixième. Donc, euh, les jeux ne sont pas encore faits. Mais vous voyez que beaucoup disent bah, on ne sait pas. On va voir. Ça va dépendre des résultats de l'enfant, ou il est trop jeune. Euh, et puis là, j'ai volontairement regroupé tous ceux qui souhaitent euh, la préparation d'un bac général, quel qu'il soit, et tous les autres, donc à la fois euh, ceux qui envisagent un, un CAP, un BEP, à l'époque, il euh, n'y a plus de BEP aujourd'hui, quasiment plus, euh, ou un bac professionnel ou technologique, et vous voyez que c'est devenu minoritaire, y compris dans les classes populaires. Donc ces filières qu'on a toujours pensées comme étant euh, naturellement destinées aux enfants d'ouvriers et aux enfants employés, et bien on y va. il y a des enfants qui s'y retrouvent scolarisés, bien sûr. mais à contre-cœur, c'est un second choix ou une stratégie de prudence. bon, je n'ai pas été pris dans la voie générale, mais au moins je vais m'assurer un bon bac techno, un bon bac pro, et puis on verra plus tard. mais donc, aujourd'hui, ces enfants et ces familles veulent la réussite scolaire, la même que tout le monde en fait. et c'est bien naturel, en fait, bon, parce qu'ils en sont capables. alors, pour changer un peu des graphiques et des tableaux, un extrait d'entretien qui a été mené par une collègue dans le cadre d'une recherche collective. Donc, elle a rencontré une assistante maternelle qui a parlé à la fois de ses propres enfants et puis de son travail d'assistante maternelle. C'est notre rôle de parents. Là, la génération d'enfants qui ne savent ni lire ni écrire quand ils entrent en sixième, c'est pourquoi bah, c'est parce que les parents n'étaient pas derrière à la maison le soir sur les devoirs. C'est aussi con que ça la société pour moi et je prône aux, petits des, aux parents des petits bouts que j'accueille, « Ah, au fait, quand on se quitte, bah, tiens, un bon conseil pour plus tard, lâchez pas les devoirs de vos enfants. Hein. Vous ne contentez pas de ce que l'école fait avec eux, parce que ça fera peut-être des cancres, ce serait dommage. » Donc, ce n'est pas seulement une attente, un espoir, « Ah, oh, si seulement notre enfant pouvait réussir !» C'est une nécessité, dans la société d'aujourd'hui, quand le taux de chômage des non-diplômés, il est à 50%, quand, avec un CAP, un BEP, vous pouvez espérer des missions en intérim, mais... Euh, vous pouvez toujours ramer pour avoir le, le CDI qui permettra d'avoir un, un emprunt à la banque et d'avoir un logement, etc. Donc, ils veulent des diplômes pour accéder à des emplois stables. Il euh, y a de la défiance. On voit bien que cette dame, elle n'est pas complètement satisfaite de l'école. Elle voit bien qu'il y a des enfants qui arrivent en 6e sans savoir lire et écrire. C'est une réalité. Dans, on, a, on a une école qui est très, très efficace pour les meilleurs élèves qui est capable de les envoyer jusqu'aux grandes écoles, et puis pour ceux qui ont moins de facilité en arrivant, alors que leurs parents, ils ont des espoirs, hein, ils font tout ce qu'il faut à la maison pour que ça réussisse, eh ben ces élèves-là, on va vite les, les orienter, on va les mettre de côté, on va les mettre dans des filières où il euh, n'y aura pas euh, toutes les matières qui permettent de réussir dans l'enseignement supérieur. Moi, je le vois à l'université, je... Euh, J'ai des étudiants qui n'ont jamais fait de dissertation ou qui n'ont jamais appris à lire correctement un livre. Mais je ne leur en veux pas. Au lycée, on ne leur a pas appris, c'est tout. Euh, donc, voilà, euh, on comprend pourquoi les parents se disent, bah, nous, on va faire comme les parents des classes moyennes. Les, les, nos enfants à la maison, on va, les, on va les, <laughs> les suivre, on va faire les devoirs avec eux, même si on n'y arrive pas. Même les, les, les parents qui se sentent dépassés, qui disent, voilà, je n'ai pas le niveau ils lâchent pas, ils essayent de faire. Et du coup, il faut interroger la responsabilité de l'école. Dans, euh, dans un autre entretien, il y avait un, une belle anecdote où euh, les parents disaient, bah oui, on a dû faire les devoirs à la maison, notre fille, elle nous avait un peu caché qu'il y avait un travail à rendre pour euh, la fin des vacances, bon. et c'était un exposé sur le romantisme. Oh, bah, nous, on a pensé, le romantisme, c'est les soirées en amoureux, c'est euh, voilà, les histoires d'amour, la romance. Non, non, pas du tout. C'était un exposé sur euh, le romantisme comme courant culturel, artistique, le théâtre, la peinture, la musique. Mais euh, évidemment, ils n'ont pas les connaissances pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont été faire Ils ont été chercher sur Wikipédia, et ils ont fait des copier-coller. Et leur gamine, elle n'a pas eu une super note. Donc, on peut dire oui, ils sont démunis, ils n'ont pas les, les, les ressources qu'il faut pour, euh, pour apprendre correctement à l'école. On peut aussi dire, mais pourquoi l'enseignant demande à la maison, qu'on apprenne des savoirs. Le travail de l'école, ça doit être de transmettre les clés. Il euh, y a une circulaire qui date de 1956 qui interdit les devoirs à la maison lorsqu'ils sont écrits. Mais en fait, la plupart des parents sont demandeurs de devoirs à la maison et les enseignants donnent des devoirs à la maison aussi. Alors, ça dépend des enseignants. Il y en a qui s'interdisent de, 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 de faire préparer des exposés, euh, d'autres qui font réciter des tables de multiplication. Ça, je trouve ça tout à fait pertinent. Euh, mais voilà, il euh, y a dans la compréhension des inégalités scolaires, il euh, n'y a pas que les, les ressources en héritage culturel qui comptent. Les parents des classes populaires aujourd'hui sont beaucoup plus diplômés qu'il y a 30 ans. Vous avez 30 des ouvriers qui sont bacheliers. Euh, chez les employés, c'est 40 on ne va pas dire, ces gens-là, ils n'ont pas le niveau culturel pour que leurs enfants réussissent à l'école primaire. Pourquoi on n'a pas 100% de réussite à la fin de l'école primaire Voilà, moi c'est la question que je pose à la classe politique et qui devrait avoir une réponse forte aujourd'hui. Merci pour cet éclairage. Euh, il nous reste à peu près une trentaine de minutes, même pas, euh, pour, les, pour les échanges. Alors le temps que vous prépariez vos questions, j'en ai une qui va être assez courte pour Tristan. Euh, J'ai lu un, un sociologue nantais avait fait un, un bouquin sur école libérale, école inégale. Il pointait du doigt qu'en euh, école primaire, les parents des classes populaires étaient pour une discipline beaucoup plus forte euh, que les, les classes moyennes, on va dire. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous est ce que c'est un constat que tu partages? Oui, on sait d'après les, les enquêtes qu'on fait dans les, dans les familles qu'il euh, y a une attente d'ordre euh, à l'école. C'est parfois aussi des familles où c'est pas facile d'avoir l'ordre à la maison, euh, dans la rue, dans le quartier. Donc on, on, on espère qu'au moins à l'école, les enfants seront cadrés. Ça ne veut pas dire forcément la caserne, hein. ça veut dire euh, juste on arrive à l'heure, euh, on dit bonjour. Euh, voilà. Et puis quand il y a des devoirs à faire, ben, on les fait, on les vérifie. Euh, bon. oui, oui, effectivement, c'est une demande... Euh, qui, qui, mais qu'on a aussi, euh, pas seulement dans les classes populaires, hein, je pense que vous allez à Gralin, euh, je pense que les parents, ils attendent aussi que leur, leurs enfants, ils respectent un minimum de règles. Merci. Allez, on va prendre quelques questions. Il y a un micro qui va, qui va circuler. Oui, bonjour, merci. Euh, la, on vit dans une société en crise. Il y a une crise climatique, une crise économique, une crise sanitaire. Euh, et la, la précarité que vous évoquiez de, des classes populaires, elle est liée à, à cet ensemble de crises. Et il y a des tas d'acteurs qui proposent des réponses euh, plus ou moins pertinentes euh, à ces crises, que ce soit des acteurs politiques, des acteurs associatifs, des acteurs syndicaux. Euh, et là, je m'adresse aux sociologues, comment ça se fait que euh, les classes populaires euh, aillent euh, spontanément de plus en plus vers l'extrême droite, qui, à mon sens, euh, pas, n'offre pas les meilleures réponses et d'ailleurs ne se focalise pas sur les crises que je viens de citer. Et par ailleurs euh, donc pourquoi? Et puis euh, quelle, euh, quelle suggestion pourriez-vous faire pour les autres acteurs pour qu'ils puissent euh, intéresser les classes populaires et non seulement s'en préoccuper, euh, conceptuellement, mais euh, aller vers elle et, et à bras le corps, si je puis dire. Alors, deux conseillers du prince. Si j'étais un élu, je dirais très bonne question, je vous remercie de me la poser. Euh, question suivante, mais en fait, c est, c est, vous avez entièrement raison, c'est les questions qu'il faudrait euh, travailler tous ensemble. Euh, bah, si on avait des réponses toutes simples à vous fournir, en fait, elles seraient connues et j'espère qu'elles seraient portées largement. Non, j'ai vraiment pas de, de recette miracle. Euh, je redirai peut-être ce que disait Céline tout à l'heure, euh, Séverine, pardon. Euh, le vote pour l'extrême droite, il n'est pas spontané. Il y a beaucoup de déceptions. Il y a aussi un vote d'adhésion. Hein, il ne faut pas le nier. C'est pas la même chose de, selon les régions, selon les, les contextes aussi. Euh, mais souvent, c'est un vote de colère quand même. C'est un vote de, de ras-le-bol qui, qui attend euh, des solutions. Alors pas celle de l'extrême droite. Je pense que si les, les gens lisaient sérieusement les, les programmes, euh, peut-être qu'ils voteraient plus pour l'extrême droite. Mais euh, la question, c'est pourquoi ils s'intéressent pas à l'offre politique de la gauche. Donc là, c'est un autre débat qu'il faudrait faire. Mais il euh, y a une responsabilité, oui, de des partis politiques, des organisations euh, associatives, syndicales, enfin de et puis de nous tous. Hein, euh, pourquoi on n'arrive pas à, à envisager une, une alternative à la société dans laquelle on, on vit et à rendre cette alternative, cette alternative crédible à une échelle de masse Moi, je, voilà, je suis aussi démuni que vous. Malheureusement, euh, on part pas de rien. Il y a quand même euh, l'éducation populaire. Il y a des, je sais pas, une association comme ATTAC. Il y, y a pas mal de choses dans notre pays, euh, pas mal de propositions, mais... Euh, dans le système médiatique qu'on a, c'est pas aussi souvent vers ces gens-là qu'on se tourne, alors peut-être c'est une partie de l'explication. Je souscris complètement à ce que vient de dire Tristan, peut-être pour pour compléter ou pour illustrer ouais. Il ne faut pas s'imaginer que les logiques derrière le vote – mais d'ailleurs, c'est vrai partout, hein, pas que dans les classes populaires – sont euh, uniquement euh, intellectuelles. Et justement, à la lecture des programmes, on regarde et on, on en déduit par A plus B là où on a le plus intérêt à, à placer son vote. C'est pas comme ça, en fait, hein, que les, les choses se passent. Et justement, je citais le titre de l'article de, de Raphaël Chalier euh, – s'engager au, au Front National pour puer des cassos. Dans cet article, en fait, il décrit le cas euh, d'une femme dans un village dans lequel il a enquêté, qui, euh, qui est isolée, qui est au RSA, qui est donc qui est très, qui est très précaire et qui, et qui serait très susceptible d'être mis au banc, en fait, euh, de la société respectable, honorable de ce village et qui, justement, en militant au Front National... Euh, essaye de se détacher de cette étiquette de, de cassos et de devenir respectable parce qu'elle fréquente des gens qu'elle considère respectables et qu'elle euh, qu est finalement intégrée dans un collectif et que voilà les, les gens lui parlent et les gens savent qui elle est, etc. Même si, par ailleurs, effectivement, si elle lisait bien tout ce qui se dit et tout ce qui est entre, entre les lignes, euh, voilà on, peut, on pourrait trouver que, que c'est très paradoxal qu'elle, euh, qu euh, non seulement, leur confie son vote, mais même... Euh, euh, choisissent de s'engager et, et de militer donc tout n'est pas, pas en quelque sorte dans les programmes politiques qui sont portés mais il y a beaucoup de choses hein, qui, qui jouent mais il n'y a, a pas que ça qui joue et, euh, et dans votre question euh, vous avez employé un mot que, que, qui est pour moi une des pistes de réponse c'est euh, se préoccuper des classes populaires euh, moi j'ai pas non plus de recette miracle sur qu'est-ce qu'ils devrait dire pour séduire les classes populaires mais déjà ils devraient s'en préoccuper ce qui n'est pas vraiment le cas Ouais, sur euh, sur le, le lien euh, classe populaire extrême droite il y a, y a un très très bon bouquin qui s'appelle la France des petits moyens et on voit bien toute la, la complexité de euh, le rapport. Euh, je m'extrais des classes populaires, enfin, du, de, vraiment du, du prolétariat, j'acquire un petit statut, etc. Et je le défends. Et une façon de le défendre, c'est de dénigrer ceux qui sont un peu plus bas. Il euh, y a Benoît Cocard, Je ne me souviens plus le titre de son livre. Tu te souviens Ceux qui restent. Ceux qui restent. Voilà, sur, la, euh, sur les classes populaires en, en, dans la ruralité, et notamment avec euh, des, des passages très forts sur l'extrême droite. Et, et Les filles du coin aussi de Yael M. Salem, je ne sais plus qui. Elle euh, a un nom. Amsalem Salem Mangui. voilà, tu as fait, qui a fait un très bon bouquin sur les, les, les jeunes filles et jeunes femmes en, en, en zone rurale, voilà, par rapport au travail, mais également aussi sur des formes d'engagement. Une autre question. N'hésitez pas. Hein, les, les sociologues, les syndicalistes sont pas toujours gratuits, donc. Euh, <laughs> là. Euh, ouais, la question peut-être qui me taraude, c'est de savoir euh, quel est effectivement. Euh, l'univers médiatique en fait que regarde cette classe populaire et aujourd'hui si on regarde en tout cas l'univers médiatique qui nous est proposé euh, sur les chaînes d'information continue en particulier euh, ils, ils quand même prennent une certaine une certaine vision du, de la France euh, plutôt euh, Plutôt terme, mais ça c'est mon avis. Mais du coup, euh, c'est ça en fait la question c'est de savoir en fait quelle, quelle information ils ont de cette France-là et comment, comment du coup ils arrivent aussi à, et, euh, et tout français en fin de compte, à, à avoir une vision claire aussi de, de, des enjeux et, des, et des, des dangers éventuellement de la France et, de, et des différentes crises. Et donc, euh, c'est ça en fait quelle est, quelle est réellement la, la vision de ces classes populaires sur, euh, sur la France et par l'intermédiaire des médias qui nous sont proposés euh, aujourd'hui, des médias euh, télévisuels en particulier. C'est dommage parce que le troisième euh, coordinateur du livre, là, Olivier Masclay, il n'est pas là ce soir, et lui, il a, il a travaillé sur le rapport à la télévision. Donc Il rappelle, par exemple, que les, les plus grands consommateurs de télévision, c'est euh, les gens des familles populaires. Euh, et à la télévision, ils regardent vraiment tout un tas de choses. C'est très, très varié, euh, à la fois du sport, de, de, de la variété, mais aussi des émissions politiques, enfin, bon. euh, des grands consommateurs. Euh, des fois, elle est là, la télévision, elle est allumée, on ne la regarde pas beaucoup. Donc, ça ne veut pas dire qu'on euh, prête forcément toujours attention à. Je pense qu'il faudrait distinguer selon les générations. Euh, les plus âgés sont encore attachés, je pense, à, bah, à la presse locale, à des informations euh, sur ce qui, a, ce qui se passe pas très loin, des informations pratiques, euh, l'horoscope, voilà, l'horaire des marées en Bretagne, par exemple. Euh, je ne suis pas sûr que ça leur plaise vraiment ce qui se dit de la politique dans, dans ces journaux-là. Euh, c'est toujours pareil, à chaque fois qu'on parle des classes populaires, il faudrait toujours regarder, partir de, de l'autre point de vue, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que les journalistes ont à dire et à proposer sur euh, les, qui pourraient intéresser les classes populaires, hein, qui pourraient euh, faire sens. Mais c'est vrai que une vision de la politique euh, s'impose quand même assez facilement dans la tête de plein de gens dans les milieux populaires. c'est euh, tous pourris euh, les affaires euh, des gens qui sont déconnectés. on a parlé du mouvement des gilets jaunes tout à l'heure. mais il nous a tous surpris. Hein, il a surpris euh, les élus, les syndicalistes, les sociologues. Euh, il faut quand même pas oublier que c'est le, le quinquennat d'emmanuel macron que emmanuel macron a incarné une espèce de figure repoussoire. Euh, si ce mouvement a, a eu cette force, c'est aussi parce que euh, les gens se sont sentis méprisés. Euh, mais après, c'est un mouvement qui est très paradoxal, qui avait un soutien dans l'opinion publique assez fort, et en même temps, il n'a jamais été massif. Hein, 300 000 manifestants au, au, au maximum, et puis ça s'est effiloché au fur et à mesure qu'il euh, bah, y avait des violences policières et euh, des violences aussi d'une du, partie des manifestants. Euh, mais donc, c'est très difficile aujourd'hui de savoir qu'est-ce que les, les gens des milieux populaires retiennent de l'actualité. Moi, je, je dirais, sans avoir enquêté, que sans doute que beaucoup en ont marre, quoi. On n'a plus envie de, de, de regarder la télévision, d'écouter. Ils doivent zapper quand c'est les infos. Enfin, je ne sais pas. Euh, mais euh, voilà, je, il faudrait vraiment une recherche spécifique pour un, pour en parler. Mais il y a il y a quand même une responsabilité des médias dans, dans la vision du monde. Parce que ce n'est pas tellement euh, ce qui est proposé, mais du coup, on ne parle de rien d'autre. C'est en termes d'offres, c'est terrible. Et puis tous les médias s'alignent. Ce n'est pas seulement euh, CNews et, et compagnie, c'est même le service public qui, maintenant qui va vouloir répéter ce qui se fait de pire sur les chaînes d'information en continu. Donc ça, je trouve ça navrant, oui. Mais... Je pense que... Euh une des façons de proposer une, alter, une alternative à ce qui est proposé par les chaînes d'infos en continu. Et je suis d'accord que je ne suis pas sûr que euh, finalement on peut avoir une partie, en tout cas des personnes qui ne regardent plus de toute façon. Donc, euh, et le peu qu'ils voient, c'est en zappant. Euh, de fait, les alternatives, on n'arrive pas à être présent euh, sur, euh, sur ces médias-là. Donc j'allais dire, ce qu'il nous reste, c'est la présence humaine. C'est comment on arrive à, à, être, à aller voir ces gens-là. Et euh, beaucoup de militants syndicaux sont aussi des militants associatifs. Il y a, beaucoup, il y a, des, milita il y a des militants CFDT qui sont depuis le départ euh, d'antisémitistes. Euh, il y a des militants CFDT dans les, as dans les associations écologistes. Voilà, il y a des personnes qui euh, où on est, en, on est engagé sur nos territoires aussi. Et, et c'est comment euh, à un moment donné on, on, on va à la rencontre des personnes pour proposer un autre discours, autre chose. Et euh, euh, et il euh, y a un enjeu à, 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 à faire en sorte qu'on on, on soit suffisamment euh, nombreux et, euh, et, euh, et qu'il y ait un renouvellement dans ces lieux, dans, dans, dans ces lieux d'alternatives dans, dans pour, pour penser le monde autrement, pour pouvoir être présent auprès, euh, euh, auprès de ces populations euh, de, de la classe populaire pour euh, pour leur proposer autre chose et c'est ce que fait ICMETIS au quotidien voilà. Merci. Euh, moi ce qui me frappe actuellement c'est la, la, le rapport au temps euh, alors on voit l'effet de la précarité sur euh, l'effet néfaste sur les engagements dans les syndicats on parlait aussi l'autre jour dans certaines associations pour lesquelles certains de ma génération s'engageaient sur plusieurs années. Maintenant, les plus jeunes s'engagent sur un temps de 3-4 ans et puis pensent à, à, à la suite, enfin, qui s'engagera plus tard. Donc, il n'y a pas le même rapport dans le, dans, par rapport à l'avenir. Il y a aussi le fait que des jeunes n'ont pas l'histoire aussi militante, l'histoire ouvrière. Il y a quand même eu des belles choses qui ont été créées par des syndicats ou par des gros collectifs après la guerre. On y croyait. La, la Sécu, là, actuellement, qui nous permet d'avoir une prise en charge, même si on voit bien que l'hôpital a du mal à vivre. Mais tout ça, c'est quand même des conquêtes collectives. Euh, mais en fait, il y a beaucoup de jeunes qui oublient d'où ça vient, qui oublient l'histoire, et puis sans parler de. De la révision de l'histoire avec l'autre. Enfin, je trouve que le rapport au temps euh, empêche l'engagement sur le long terme dans un avenir, empêche de croire dans l'avenir. Un vote, c'est voter euh, dans, dans quelques mois pour quelqu'un qui va rester en poste cinq ans. C'est cette logique d'incertitude euh, qui me frappe, moi, qui fait que certains ne vont pas oser s'engager ou ne vont pas y croire. Et puis c'est vrai que quand on a un CDD de trois mois, parce qu'on a galéré enfin les trois mois, on pense pas comme quelqu'un qui a un CDI. Et on sait que les CDI disparaissent. Est-ce que vous avez une pensée sociologique sur ça Parce que c'est vrai que c'est pas pareil d'être... Ce qui me frappe, c'est vos stats sur les policiers et les militaires, là, parmi tous ces stats-là. Mais ben, quand on est ouvrier agricole à la saison... Ben, on n'est pas comme un ouvrier agricole qui a travaillé toute sa vie, qui a, qui a 58 ans et puis qui a travaillé toute sa vie. Juste une précision, dans policiers et militaires, en fait, il y a aussi euh, tous les agents de sécurité privés. Hein, il n'y a pas que. Et je crois que ça représente à peu près la moitié de la catégorie, les, les vigiles, en fait. Euh, donc c'est aussi, aussi une catégorie euh, assez hétérogène. Voilà. Euh, D'ailleurs, euh, c'est celle qui a une un peu plus élevée par rapport à d'autres. Euh, alors sur cette question de la, de la difficulté à se projeter, euh, elle, se, elle se voit effectivement dans l'engagement. On l'a dit tout à l'heure, hein, mais euh, euh, on n'a pas eu le temps d'en parler en, en détail dans le, sur le syndicalisme. On voit des différences énormes qui sont liées à ça. En gros, Nicolas Ouary l'a rappelé, c'est très très difficile de syndiquer des salariés qui sont en CDD ou en intérim, c'est 1-2% maximum, alors que notre traceur qualifié en CDI des chantiers navals, la probabilité qu'il soit syndiqué, on va plutôt être autour de 20%. Donc ça crée, c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais ça crée effectivement des difficultés à se projeter dans l'avenir, des difficultés financières, des difficultés de tout un tas d'ordres. Euh, mais pour, la, pour, pour répondre un peu à la première partie de votre remarque, euh, s'ils si, si ne le savent pas, s'ils si ne le connaissent pas, toute cette histoire-là, c'est aussi parce qu'on ne le leur a pas appris. En fait. si, c'est aussi les questions on peut renvoyer la balle dans l'autre camp et se dire que c'est d'abord une histoire de transmission. Avant d'être une histoire d'appropriation par les jeunes générations, c'est d'abord une histoire de transmission de la part des générations plus anciennes. Donc c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faudrait, euh, qu faudrait reprendre la, la question. Et là-dessus, bah, on va encore jouer le joker parce que je n'ai pas, pas de réponse euh, miracle à proposer, mais je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait poser la question. Il euh, y, a, y a un très bon travail sociologique qui a été fait sur des, les, les jeunes de la RATP. Je sais, plus le nom. Plus... Martin Thibault. Oh, là, tout. Et, et Martin Thibault explique bien, hein. euh, les jeunes qui entrent à la RTP, euh, ils sont plutôt individualistes, hein. ils ont envie de faire leur carrière, etc. Et puis au bout d'un moment, ils apprennent que, entre guillemets, que ça va, hein. ils resteront euh, des petits grouillots jusqu'à la fin de leur vie. Et là, ils commencent à avoir une démarche. Euh, donc, ils, sont, euh, ils ont un statut, ils commencent à, à militer, à se défendre collectivement. Et puis, euh, si vous avez du, euh, du temps, mercredi prochain à la Maison des syndicats, il y a un très bon bouquin qui s'appelle En lutte. C'est une étude sociologique de Sophie Béroux. Et j'ai perdu son. Merci, bon, et Martin Thibault aussi, ah ben voilà, et Martin Thibault sur, autour de, de Solidaire. Et c'est un, un petit livre qui est très instructif sur les, la, le militantisme au sein de Solidaire. Et il y a des, il y a des beaux parcours de, euh, de, de militants et ça nous, ça nous renseigne aussi beaucoup sur, sur le, le syndicalisme d'aujourd'hui. Euh, je crois qu'une dame voulait poser une question. Et après, on, on se quittera. Euh, j'aurais une question à hein, vous poser par rapport aux questions d'engagement, euh, que ce soit aussi bien voilà, dans des, euh, dans, en fait, des, des syndicats, euh, mais il y a plein de diverses euh, formes de militantisme. Euh, moi, j'aurais une question par rapport à euh, ce que le monde prolétaire, le monde ouvrier, quel qu'il soit, est-ce qu'ils n'ont pas en fait une idée En fait, je vous parlais surtout autour des représentations vous savez l'image qu'on peut, qu peut avoir, que en fait j'ai eu des échos de personnes qui disent de toute façon les syndicats ils sont cul et chemises avec les patrons et c'est pour ça que on ne croit plus en fait en divers syndicats et qu'on va plutôt se tourner vers des collectifs citoyens plus ou moins extrêmes que non violents voilà donc c'est une question que je voudrais un petit peu poser là-dessus sur cette question où les gens ne croient plus en fait, sur euh, des moments citoyens et d'intelligence collective pour pouvoir euh, bah, un peu euh, euh, casser cette machine qui est en fait, euh, bah, voilà, le capitalisme en, en tant que tel, ou même tout simplement sur les dominations, parce que on peut parler du capitalisme, mais il y a d'autres formes qui peuvent être aussi être une forme de domination entre, entre, entre personnes. Voilà. Vous avez trois minutes. <laughs> je, 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 euh, sur l'idée que euh, euh, les syndicats ou des syndicats seraient euh, cuits et chemisés avec les patrons, euh, euh, si, si c'était le cas, on aurait un, un, aucun intérêt à essayer de, de, de développer notre présence auprès des, auprès des travailleurs pour défendre leurs intérêts. Après, euh, 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 obtenir des résultats, c'est aussi à un moment donné euh, aller. Euh, 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 aller à des tables communes avec des patrons pour défendre des revendications et euh, écouter ce qu'ils ont en face et faire vivre le conflit au travers d'une table de, de négociation et essayer d'obtenir tout ce qu'on peut obtenir. Et euh, évidemment, euh, le, les projets et les ambitions qu'on a ne sont pas toujours euh, et, euh, à la hauteur de ce qu'on arrivait à obtenir. Donc euh, souvent on nous dit, vous, a, vous, 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 avez, euh, vous avez lâché trop tôt. Euh, c'est parce que de toute façon vous êtes que les chemises avec les patrons et vous nous défendez mal euh, euh, moi j'allais dire en tant que syndicaliste mon, mon, mon objectif euh, c'est de faire en sorte euh, euh, d'obtenir des résultats plutôt que de rien obtenir du tout euh, et euh, j'allais dire euh, suivant les, les, les organisations syndicales on, on peut choisir à un moment donné des, moda des modalités différentes de, euh, de mobilisation euh, euh, avec des. Euh, certaines organisations syndicales peuvent aller euh, dans la rue à des moments, euh, d'autres euh, pas. Mais à la fin, de toute façon, il y a un moment donné, toutes les organisations syndicales, c'est. Euh, on, on, on se retrouve en face euh, des, euh, des employeurs à dire Mais euh, voilà, qu'est-ce que. Euh, face à notre mobilisation, face à nos revendications, qu'est-ce que. -ce que, euh, comment on trouve un, un compromis et comment on, a, on avance sur l'obtention de droits pour les salariés. Et, et, et euh, euh, j'allais dire, ça fait partie de la, euh, de la, de la complexité de, euh, de, du du dialogue social, de, de, de fait de réussir de réussir à obtenir des choses pour les travailleurs, de fait du de, fait de, de construire pas à pas. Et, 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 et ce n'est pas toujours... À, à, pour une partie de la population, en tout cas, euh, euh, ils aimeraient que ça, euh, que ça aille plus loin et, et, et que... Euh, on, on, euh, on, a, on, on arrive à obtenir euh, tout de suite euh, euh, des, 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 les choses qu'ils attendent. Mais euh, un travail, un travail de, euh, de combat sociétal, de combat syndical, c'est un combat à long terme. Et c'est vrai que l'engagement, le fait de pouvoir s'engager euh, en se disant... Euh, euh, je m'engage syndicalement parce que je sais que grâce au syndicat, on va euh, sur du long terme et que c'est peut-être peut euh, peut mes enfants qui obtiendront euh, les, quelque chose que moi, je n'ai pas, réu pas réussi à obtenir euh, du temps de mon activité. C'est compliqué aujourd'hui parce qu'on est dans, des so dans une société où on voudrait que tout aille très vite. Et je pense que c'est un enjeu de, pour, euh, pour les associations, pour les groupes militants, quels qu'ils soient de tenir sur l'idée qu'on doit euh, aussi mener des combats pérennes. Et il y a un enjeu à tenir là-dessus, parce que, parce que autrement, on ne n'arrivera on, on on pas à, à construire des avancées durables si on, si on fonctionne aussi que sur du zapping en termes, de, en termes de combat et de projection sociale. Séverine, tu as une minute. <laughs> je, du coup, je me, je me permets de renvoyer au bouquin, parce que j'ai écrit un chapitre dans le bouquin qui essaye de, de traiter un peu la question. Que, que vous avez évoqué, mais je vais quand même prendre une minute pour donner quelques, quelques éléments. Euh, ce constat de, de désintérêt ou euh, d'éloignement des syndicats, il est souvent appuyé sur le faible taux de syndicalisation qu'il y a en France, et qui est effectivement faible par rapport à d'autres pays. Mais ce n'est pas nouveau, en fait. Hein. Il a toujours été, euh, été faible comparé euh, aux, aux autres pays. Et c'est sûr que quand on regarde le, le graphique, je dis souvent à mes étudiants, on dirait un toboggan. Mais en fait, euh, 1949, on est juste après-guerre, c'est déjà un pic, en fait. Hein. Il, il y a une petite euh, illusion de lecture, en fait, que si on montait dans les années 30, euh, on serait à des taux plus bas que, que celui de 1949, avec un pic en 36, mais qui avait déjà qui était déjà redescendu avant, avant la guerre euh, et en fait ce qu'on voit quand même sur la période récente c'est plutôt une forme de stabilisation en gros donc il y a eu une chute des effectifs syndiqués très clairement hein. euh, mais depuis en gros le milieu des années 90 ou même le début des années 90 on est plutôt sur quelque chose de, de stable euh, donc il est, on peut le résumer en quelque sorte ce graphique par crise du militantisme et l'idée que j'ai essayé de défendre dans le chapitre c'est que oui sans doute un peu mais pas que c'est plus compliqué que ça encore une fois c'est toujours un peu notre truc de dire non mais c'est plus compliqué c'est plus compliqué que ça parce que ça dépend vraiment beaucoup du, du, des secteurs qu'on qu regarde vous avez dit en fait les gens dans votre question mais du coup bah, les gens ça ne veut pas dire grand chose parce qu'en fait c'est très euh, ce qui se passe en termes de syndicalisation à la fois dans son taux de syndicalisation dans les formes du militantisme dans les logiques d'engagement, peut être très variable d'un secteur à l'autre. Par exemple, euh, il y a deux fois plus de syndiqués dans la fonction publique que, euh, que dans le privé. Euh, donc, déjà, en fait, on est déjà sur des logiques assez, assez radicalement euh, différentes. Euh, juste rapidement, quand on regarde des, les taux de syndicalisation en croisant à la fois la la catégorie socioprofessionnelle et le, le public privé, ben on se rend compte justement de, de ces écarts. Vous voyez, on parle de 11% de taux de syndicalisation pour l'ensemble des salariés. Quand on regarde les colonnes ensemble, on se dit mais les ouvriers, les employés, ils sont plutôt, euh, plutôt derrière, derrière les quatre, derrière les professions intermédiaires. Mais en fait, quand on sépare public et privé, on se rend compte qu'il se passe des choses nettement, nettement différentes, que les ouvriers euh, du, du public sont euh, très syndiqués, euh, en tout cas pas moins syndiqués que, que les autres, même si c'est les cadres du public qui le sont le plus, et que dans le, dans le privé, ils sont plutôt plus syndiqués, plus que les employés, et beaucoup plus que, euh, que, que les cadres. Euh, donc en fait, ce qui se joue dans ces taux moyens, c'est des différences en matière de, de, de secteur de travail des uns et des autres, et des logiques syndicales, on n'a pas le temps d'y revenir, mais des logiques syndicales qui sont... Euh, qui sont très, très variables. Juste pour prendre deux, deux exemples, tu as, par... non, non, as parlé de la, du travail de Martin Thibault à la RATP. Il euh, y a des recompositions -re syndicales qui se sont passées dans tous les secteurs qui ont été touchés par les logiques qu'on appelle New Public Management. Bon, voilà, la modernisation, c'est les France Télécom, c'est la SNCF, la RATP, la Poste, etc. Et les syndicats Sud, ils ont émergé dans ces secteurs-là. Ce n'est pas un hasard. Euh, la CGT, elle a, ce qu'elle a connu, c'est euh, une difficulté à renouveler ses militants dans ses bastions traditionnels qui ont connu une autre histoire que les secteurs dont, dont j'ai parlé. Donc en fait, il faut vraiment aller regarder au cas par cas pour comprendre plus finement les choses. Bien, merci. C'est toi qui... Oui, je vais conclure. Je vais être assez rapide, mais je ne vais pas déroger à, au remerciement de, de fin de conférence. Je vais commencer par remercier, bien sûr, Tristan, Séverine et Nicolas. Voilà, vous avez ce soir commencé, je dirais, à, à nous faire mieux comprendre la complicité de, des, des classes populaires euh, qui, qui subissent de plein fouet aussi la montée des inégalités, puis à dépasser les clichés. Euh, voilà, je remercie aussi Christophe, voilà en tant que partenaire de, au Centre d'Histoire du Travail, mais aussi en tant que voisin, puisque on est voisins entre le fonds documentaire et, Métis et le et le CHT. Euh, je voudrais aussi, euh, au nom du conseil d'administration de Tissémétis, je remercie pour leur soutien financier la ville de Nantes, Nantes Métropole, ainsi que l'Agence nationale de cohésion des territoires et la délégation régionale académique à la jeunesse et au sport dans le cadre de la politique de la ville. Et puis surtout, je vous invite à venir nous rendre visite euh, au fonds documentaire Tissé Métis. Euh, et je vous donne aussi d'ores et déjà deux rendez-vous euh, le 22 janvier. 2022 pour les nuits de la lecture, voilà, qui sera sous le thème de la poésie, avec un poète, un jeune réfugié poétique, comme il se définit. Et puis le 3 février pour une nouvelle conférence université qui sera sur le, la thématique des religions à l'école. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une très belle soirée.